coche le live est online sous le jeu Suicide Squad, Kill the Justice League, Up Team commence. Hey, bien le bonjour. Bon, par contre, ça commence à m'énerver parce que les drops Twitch ils bug. Voyageurs et immigrés, ce panneau clame les valeurs que nous avons adoptées. Hein, il parle d'un panneau. Oui, je me balance. Je suis stuck. Non. Putain de... Connard. Prétentieux. M'enfermer.
ma fille, m'entraîner là-dedans, avec tous ces trous du cul, je vais le tuer. Tu veux en discuter? Non. Ah, ouais. Juste au moment où j'allais le faire. Vous ne devriez pas être là. On sait, mademoiselle. Alors pourquoi êtes-vous encore en ville? Chaque minute perdue avec vous est volée aux gens qui ont vraiment besoin de mon aide. La prochaine fois, je ne serai pas là pour vous sauver. Et tu veux aller où, princesse? C'est ici qu'on s'éclate. Je pourrais vous emmener à Hobbs Bay pour sauver des innocents, si ça vous intéressait. Mais on sait bien que non. Quittez Metropolis, tant que vous le pouvez. On aimerait bien! Elle n'a pas confisqué nos grenades. C'était généreux. Et elle nous a pas interdit de tout faire sauter en quittant la ville, si? En effet. Mais regardez-nous, bien obéissants. Des grenades hautement explosives, parfaites pour briser la glace avec une foule ou des véhicules. Et puis, ça laisse une petite touche personnelle. Vous inquiétez pas, elles vont pas vous sauter à la gueule. Elles vont pas vous tuer par accident, en tout cas. J'espère que vous avez récupéré le matériel du pingouin. Vous en aurez besoin. Plusieurs de mes agents ont disparu lors d'une manœuvre. Vous êtes chargé de les retrouver. Faites de la mystère, les frères. Quelqu'un a un plan génial de dernière minute? Mais putain, tire-lui dessus! Les balles ne feraient que rebondir et te tuer. Bien réfléchi. Vas-y, vous manquez. Ah. Yana, sors d'ici! Des petits pistolets! Je me demandais si je vous reverrais un jour. Et moi qui cherchais une princesse à ma zone, voilà que je tombe sur les plus minables des criminels. Wonder Woman est une amie proche. Il faudra nous passer sur le corps pour l'atteindre. Pas sur le mien. Ne pense même pas à céder à ce connard, Shark. L'automne. Passe à autre chose, mec. Il va falloir passer à la dernière forte. J'espère que vous ne tenez pas trop à vous voir. Oh, Wonder Woman. Tu sais, j'ai entendu autre chose. Elle a filé à... Hobbs Bay. tu viens de la rater. Je m'attendais pas à mieux. Mais je croyais que ce serait Deadshot qui céderait. Bon, je suis toujours en mission. Mais ça m'embête de vous laisser sans rien. Oh, refaites Deadshot. Je sais que tu t'inquiètes pour tes filles. Zoé, c'est ça? Je ferai en sorte qu'elles soient saines et sauvées. Après, le maniaque le transforme. Lanterne, merde, reviens ici. Salut, mon grand. Quelqu'un a une épée? Chacune de mes épées. Utilisez les grenades, mon sang. Deadshot, identifie son repère. Jacques, c'est bien beau de me demander de... Attends, ça y est, j'ai trouvé. Attendez qu'il charge son bouton.
C'est Deadshot qui a dit ça. Oh, va te faire foutre, Shark. Il a de l'humour, le Squall. Faut qu'on trouve un moyen de sortir de ce foutu stade. Jamais vu un terrain de cricket aussi bizarre. Et je me balance. Je me balance. J'ai pas envie d'être là quand la lanterne ou Wonder Woman revient. Voilà. On fait quoi? Green Lantern vient de nous attaquer. Encore? Et vous êtes toujours en vie? Boomerang a balancé Wonder Woman. Il a craqué à la première menace de violence. Et ça, c'est lui. Oh, vos ordres sont d'exfiltrer une unité de l'Arcus portée disparue après un essai de terrain du véhicule armé de Gizmo. Allez à sa dernière position et trouvez Flag. C'est qui ce Gizmo? Putain, fais chier, je pouvais ramasser un trophée. Casse les couilles, le jeu. D'importance, contentez-vous de me ramener l'unité de l'Arcus. C'est qui, Argus? Boomerang, je peux vous tuer littéralement à tout moment. Putain, mais insupportable. Accueillant à bras ouverts voyageurs et immigrés, ce panneau clame les valeurs que nous avons données. Eddie qui me titille, moi qui ridiculise Eddie. Oh, ça me rappelle le bon vieux temps. Attention en dessous! Flambant neuf pour vous, TFX. Pour réussir, vous aurez besoin de cet appareil à miniaturiser et récupérer au hall de justice. Miniaturiser et servir. On va mettre des gens en boîte. Quoi? Vous allez en avoir besoin. Moi, je vois Pokémon. Plus. Mon équipe se fait discrète depuis qu'un test de véhicule dans la zone a foiré. Donc, grâce à cette technologie expérimentale, on trouve des soldats, on les réduit et on les ramène avec nous. Je m'occupe de les trouver. Je vais scanner la zone à la recherche de soldats. Problème, ça va attirer les ennemis droit sur nous. Et sur eux. Attends, ça veut dire qu'ils étaient en sécurité jusqu'à ce qu'on arrive? Non, ouais, oh merde, TFX, dépêchez-vous de finir le travail. Scan en cours. Préparez-vous à repousser les ennemis pendant que je repère les civils. Pourquoi est-ce que je vois encore des tentacules, TFX? Débarrassez-moi de ça. En voilà un. Bon sang, bougez-vous, les connards de l'espace se rapprochent. Maintenant, servez-vous de l'appareil à miniaturiser que je vous ai donné pour amener les civils en bus. Maniez-vous. Mais vraiment, c'est Pokémon. Un petit animal de compagnie. Non, Shark. Oh là, ça c'était beau ça. Bien. Amenez-les à la porte, posez-les, et c'est terminé. Suffisamment de dégâts. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Préparez-vous, il va falloir défendre les civils. Je lance un nouveau scan. Dégagez-moi cette artillerie ambulante de là. Oui. Arrête de faire le clown. Je lance un autre avec vous.
Mets ce soldat dans le bus. Rends-lui sa taille, imbécile. Faut te sortir de là. Vous en avez ramené un autre. C'est bien. Il va chier. Ok les gars, faites votre rapport et passez à l'infirmerie. Bonne nouvelle. La meilleure cam est toujours chez le docteur. Oh, pas vous, Task Force X. Vous, vous restez en arrière pour rencontrer Gizmo. Son atelier est là, au fond. Bien, laissez-moi vous regarder. Une armoire à glace. Une cinglée. Un mec qui pique les yeux. Et un clochard. Vous êtes parfait. On sait. Parfait pourquoi? Pour faire mannequin test. Moi, c'est Gizmo. Comme il n'arrive pas à faire venir l'artillerie lourde, l'Argus a engagé votre serviteur pour armer des véhicules trouvés dans le coin. Alors, du coup, j'ai besoin de cobayes dont tout le monde se fout pour conduire. Moyen que j'entre dans un de ces engins. Détends-toi, Brodure. On a tous déjà conduit bien pire. Servez-moi de rat de laboratoire. Sans vouloir te vexer. Et je vous livrerai des véhicules surarmés et absolument mortels. En attendant, le boss veut vous voir à l'étage dans le club secret des héros. Prenez l'ascenseur. C'est vrai qu'elle m'a implanté une bombe dans la tête. Mais j'aime les femmes qui ont de l'audace. Et ça, Waller en a des tonnes. Allez, oust! Bah, Waller nous attend pas dans le sanctuaire. Mon nom est Bruce Wayne. Je suis un citoyen de Gotham. Salut les enfants. Bienvenue dans le hall de justice. On vous ouvre.
Enfin, sinon, tu peux appuyer sur le petit bouton, Harley. Hein. Il ne reste plus que Green Lantern entre nous et le Skull Ship. Mais vous êtes loin de faire le poids face à lui. Votre escouade de soutien va travailler nuit et jour pour vous équiper. Là, on oublie le code du travail. Hack vous attend en ville avec des infos et du matos. Allez, on y va, TFX. Ah, ça t'aurait pu dire par radio, du coup. Ah, maintenant je vais pouvoir trifouiller dans ton cerveau. Mais uniquement pour te rendre encore plus redoutable. C'est une technique de monocycle, celle-ci qui peut être effectuée une fois que vous avez accumulé ces... Alors, les donne également du bouclier. Carré plus... Ok, cool. Des émotes dans les semaines. C'est marrant que ma sœur et moi ayons toutes les deux atterri à l'Argus. Queen est armée à quatre épingles. Je me sens déjà plus en sécurité. Tu repenses au bon vieux temps. T'as pas intérêt à me toucher, Harley. Ouais. Je suis un protégé de l'Argus, avec négociation de peine et tout le tralala. C'est sûr que c'est mieux que cet entrepôt pourri, hein, boss? Une cage reste une cage, mon petit. Même si ses barreaux sont dorés. Ouvrez-moi ça, allez! Voyons un peu la qualité du matériel de ce sur. Je suis à court de punchline, là. Tout ce que je peux te proposer, c'est un silence gênant. Eddie a déjà essayé de m'avoir, tu sais. Difficile à faire quand je suis... On est vraiment désolé d'avoir envoyé les extraterrestres. Croyez-le ou non, mais l'atelier frigorifié du bras, c'était déjà... Dans un cadre digne de la fraîche antique, venez vivre dans les récits dramatiques. 10 fois plus grande. Hack, Lanterne nous est déjà tombé deux fois dessus. Tu vises le tiercé? Relax, papa. Je suis une projection. Je me suis dit que ça vous intéresserait de savoir que l'ennemi emploie des terminaux pour acquérir et transporter des matériaux précieux. Trouver des matériaux précieux, c'est notre boulot! Exactement. J'ai isolé leur fréquence de diffusion pour que vous puissiez la suivre. L'insecte peut se cacher dans n'importe quel ennemi. Suivez ce tracker. Bonne chasse. Bonjour à tous. Cela fait des semaines que le siège de Brainiac a commencé et nous n'avons toujours aucune aide en vue. L'armée reste définitivement bloquée aux portes de la ville. Quant aux membres de la Justice League, ils sont soit portés... Elle est où, la parade? Comment ça? On voit pas ce machin dans le ciel? J'espère qu'ils vont pas l'annuler. J'ai fait tout ce chemin pour avoir un autographe. Ouais, moi aussi. Vous êtes en train de me dire que ce putain d'insecte est dans l'hélico? Comment il fait pour piloter?
Aïe, c'est cool. L'hélico s'est écrasé, mais la cible est toujours en vie. Il a abandonné son hôte pour survivre. Ouais, pendant qu'on se bat, il met les voiles. Va devoir réessayer, Harley. Stop. Et bam, l'insecte a brûlé la marchandise. Bah, j'espère que c'est pas trop gluant. Hey, Hack, tu peux nous dénicher un peu plus de ces... butinots? C'est le nom le plus ridicule que j'ai jamais entendu. Je renomme le canal de communication de l'Argus Rick et les butinots. Grâce à ça. Je vais les traquer, comptez sur moi. Butinots. El Poljo, non? Salut. Comment est-ce que t'as la casa? Ça va. Tu sais, je t'avais dit, je suis sûr que vu que le pré-téléchargement de l'accès anticipé de Skull and Bones c'était aujourd'hui. Ouais. Et bah, c'est bien ce qui me semblait. Genre, c'est comme compté comme deux trucs différents. Donc, Ah, donc le jeu c'est pas pareil que la bêta quoi. Bah, c'est plus complet. Donc, en gros, genre, ça, quand j'ai démarré la play, ça m'a dit que j'avais pas cette tasse pour mettre Skull and Bones. Donc, j'ai enlevé la bêta pour le jeu complet. Du coup, aujourd'hui, t'es pas à Nancy ? Bah non, personne pour m'emmener. On en a parlé avec y avait Darko qui était là, et puis Darko il t'a pas proposé. Je sais pas, non, il m'a rien dit. Ah merde, ah ouais, parce que hier on a parlé, il dit bah il devait pas être à Nancy. Je sais pas. Ouais, parce que Darko il y est allé, et puis je dis qu'il fallait que Julien et tout, et puis. Bref. Putain, hier. 3-0 quoi, fait chier. Enfin, moi, il y a des gens qui. Ils comprennent rien. C'est pourquoi. Les gens qui disent que Xabi Alonso, c'est le meilleur défenseur du monde. Enfin, le meilleur entraîneur du monde. Bah, non. C'est pas parce que son équipe elle gagne tous les matchs que c'est meilleur. Parce que Bayern, ils ont aucun titre. Enfin, il a aucun titre avec le Bayern Leverkusen. Alonso, donc arrêtez de dire que c'est le meilleur entraîneur du monde. Mais entraîneur du monde, ok, c'est des joueurs comme Pep Guardiola, Ancelotti, des gens qui ont des titres. C'est ce que je veux dire. Votre propre serveur de contrat de mercenaires. Contrat quoi? Je l'ai configuré. Enfin bref, sinon pour ça, bon, officieuse du reste du gang au cerveau piégé. Tu recevras peut-être même des. Ah, il y a des contrats spéciales. Par jour, ok. Cool. Bon, parce que je viens d'avoir un truc là sur Suicide Squad. Comme d'hab, bah, j'attends 9h pour FIFA quoi. Quand tu actives un contrat, je m'occupe du suivi. Je m'en ai dit ça. Serait marrant avec une bagnole lui frapper trop fort. Les contrats non activés sont réinitialisés tous les jours pour des raisons de sécurité. Allez les mercenaires. Est-ce qu'il y a deux boîtes de concert sur les touches? Sans quelque chose de... Faut esquiver, il a fait le 5 fois. Ça y est, okay. Le contrat est actif. Je suis en 20. Amusez-vous bien dans le monde physique. Oh, putain, j'ai rien contre, mais s'il faut encore farcir le discours de flag, kidnapper le pingouin, écraser ces insectes, buter ce type, je vous jure, je vais péter un câble. DFX. Gizmo a une livraison spéciale pour vous, alors rendez-vous à la zone indiquée. Et bonne chance. Ah mais c'est pété en plus de ski, c'est pas obligé de faire un combat donc... Mort de rire la vidéo que t'as mis là, oh c'est gênant, oh t'es nième, c'est gênant, la même tête que toi là. Ah ouais, c'est trop drôle les droïdes. Il manque ce type. Il faut vraiment que je me tire. Tout à l'heure j'étais en train de me battre et tout dans Suicide Squad. Puis comme je contrôle Harley Quinn, un des trucs à la con, tout à l'heure elle a dit 360 noscopes. Yeah. Merci, vous avez mérité ça. Il y a de tout dans ce contrat, des risques, du danger, de la violence. Que demander de plus? Frapper 3 ennemis à des attaques acrobatiques. Je préfère éviter ce genre de mauvaise surprise. Ah, tant mieux, un tremblement de terre. Ouais, apparemment. J'ai rien. Ah, moi non plus, j'ai juste entendu un truc tomber donc je me suis dit, bon.
Et chez moi j'ai un truc qui est tombé, donc je... ouais c'est ça. Au début je croyais que c'était le chat qui était monté en haut et qui a fait... Non en fait il prend le terre. Bah moi je me suis dit, bah j'ai vu bouger, cogner mon truc et puis ça a fait tomber. Ouais donc apparemment Océane elle m'a dit qu'elle l'a bien ressenti, armement il y a des gens qui l'ont ressenti, j'ai rien senti perso. Peut-être parce que je suis dans un canapé ça absorbe les... enfin j'en sais rien. Mais... Mais du coup ça a tremblé quand j'étais avec Thomas et bah Thomas parce qu'à un moment je dis putain mon chat il a encore fait le con dans la salle de bain. Mais non en fait c'est pas le chat, c'est la boîte qui est tombée. Les insurgés ont eu l'un de nos terminaux collecteurs. Ils ont récupéré des armes, de l'équipement. Je ne sais pas précisément ce que nous avons perdu mais j'ai capté un signal. Une biche. Vite, on va être en retard. Je te jure si on rate la cérémonie d'ouverture. Tu penses vraiment que je raterai le moment où Superman coupe le ruban avec ses yeux? C'est vrai, j'oublie toujours que tu es plus fan que moi. Tout le monde devrait être super fan. Quand on pense à Metropolis, on pense à Superman. Attends, c'est quoi ça? J'espère qu'il ne va pas pleuvoir sur la parade. Déjà réservé. Ramasser là-bas. Moi aussi j'ai un peu me barrer, mais c'est ta mère, mec. Ce n'est pas ma mère. Je pensais pas se concentrer sur toi. On y pense même pas. Crap, trop stylé ces trucs là. Ah oh, mais chiant pour masser les trucs. Eddie, t'es peut-être pas le criminel le plus impressionnant. Mais je dois avouer que t'as du... Putain, je peux le récupérer celle qui est là-bas du coup. Je vais me faire foutre encore. Ça va mieux ton épaule au fait? Ouais. Ça balance, hein. Le problème c'est que si je fais toujours autant d'efforts, ça changera. Ouais. Je suis content qu'il y ait encore quelques civils dans le coin pour voir le grand pauvre en galeuvre. Ils sont coincés ici. Putain, je me suis pesé, ce matin j'ai perdu 1 kg de. C'est vraiment le meilleur. Tu sais, je me pèse une fois par semaine. Mon but étant de d'atteindre les 75 kilos et ne pas dépasser le 80. Les 80, j'ai jamais dépassé. Là, je suis à 77. Ça va, hein. Le siège de la société subit un assaut soutenu. Pas besoin de faire de muscu. Du sport, et puis voilà, quoi. Des envahisseurs. Batman, machin. Qu'est-ce qu'il y a ces énigmes? Ok, c'est un monstre, c'est un gâteau. Bah oui, vas-y, sors-moi ça sur la table. Mais faut check vos pubs là, putain, 3 ans les pubs de dur. Je souhaite bon courage à vos prochaines victimes. TF1. Pour voir une mongole qui fait la gogole quoi dans la neige. Queen est la cible prioritaire.
Eh mais sérieux, 3 pubs d'affilée, Ouais non mais attends, t'as 1 minute de pub. Ouais, c'est abusé gros. Dégâts collatéraux minimes. Bien joué. Ah, à l'aise le trapèze. Je le sors sur la PS5, connard. Batman, la force me signale que ces escrocs ont réussi à exfiltrer le pingouin dans un endroit inconnu. Laissons les criminels s'en occuper. Cobblepot n'est qu'un poids mort. Il est pas très doué, mais il a quand même des flingues. Tu pouvais pas faire plus attention à ces enfoirés, Bruce. Inutile d'en discuter, Lanterne. Brainiac se fiche du pingouin. Fais tout. Il est encore là ? Il doit rester des cristaux à démonter. Fabrication d'équipement, ouais. Ah, plus légendaire. Jauge d'attaque acrobatique, les coups critiques infligés avec cette arme. Coups critiques infligés avec cette arme n'infligent aucun dégât. Cependant, cela régénère 50% des PV si vous n'avez aucun bouclier.
25% de la jauge de bouclier, c'est votre PV pleine. Et dans les mains d'Arline, l'arme la plus tendance de la saison. Vous avez fait de beaux progrès, Task Force X. J'assouplis les limiteurs de vos nanobombes. Vous avez accès à toute l'île. Ce qui veut dire que vous pouvez attaquer Green Lantern. Ne me décevez pas. J'ai autorisé votre équipe de soutien à proposer leur propre mission, strictement à des fins d'amélioration de votre arsenal. Ce n'est pas un exercice, j'attends des résultats. C'est le moment. Oh, vous voulez dire que je suis plus la seule à vouloir tuer Green Lantern? Non, c'est l'heure de notre subterfuge, LexCorp. Tout de suite les mots compliqués. Dis simplement qu'on veut mettre les voiles, Shark. Alors ça c'est quand même... Je peux aller péter Green Lantern si je veux. Là il y a un défi. Alors le trophée, il est où? Soit en haut, soit en bas. En bas. Voilà. Il semblerait que j'ai surestimé Waller. Je pensais que c'était mes bons goûts. Ça, c'est fait. Ah, contrat. Je sais ce que tu penses. Cette récompense ressemble fortement à une commande de ravitaillement de l'Argus. Eh bien. 10 frags dans le crime et son attaque. Après un calcul rapide, il me semble qu'on peut survivre à ça, non? Là, il y a encore un truc chronométré. T'as quelque chose à prouver, Eddie? La réponse est oui, mais je vais cartonner quand même. Prends une photo, bad boy. Ça te fera un souvenir. Il faut faire... Ça vous dit quelque chose, quelque chose? Faire 30 secondes. J'ai trouvé ça dans un cahier des palpés. Bah, déjà, c'est mort. Je suis loupé. On va se rouler, ça, les trucs chronométrés. Attends, si j'ai la carte là, est-ce que j'ai des carottes, j'ai... Est-ce que j'ai des remords qui traînent là-dedans? Ils étudient jusqu'à l'exténuation ces génies en ce lieu d'érudition. Mais là, j'ai un remords qui est... Ah non, ça a été en fait, avec Ardé. Objet de personnalisation, ouais. Ah, c'est en rafale la mitraillette là. Ah non. Belle performance, TFX. Même pas. On va vous garder. Apparence. Bah quoi? Attends, tu veux me dire que c'est pour Boomerang que j'ai une apparence et même pas pour Harley? Putain, ça dégoûte. Ça, je me fais chier de faire des trucs, c'est même pas pour Harley que j'ai débloqué. Putain, j'ai mis à fond, c'est quoi ce délire? Putain, le foutage de gueule. Ah, puis je suis en train de dire, c'est bizarre, je t'entends pas. Bah ouais, j'ai mis à fond. C'est bon, tu me disais? Non, je disais, là, en fait, tu retournes sur la map pour débloquer des variantes des skins des persos, pour faire des trucs de l'homme mystère. Et là, j'en faisais depuis tout à l'heure. Et là, je viens de débloquer
coup un nouveau style, mais c'est pour Captain Boomerang. C'est cool. Rang ennemi 3. Putain, on peut pas se TP, ça casse les couilles par contre. Pingouin niveau 2. Ouais, je prends de... Est-ce qu'il prend la remorque lui? Parce que. Luthor entre en jeu. Ouais, je vais pas. Je pense pas. Bah. Je sera de retour. L'assimilation ou l'autre option? Il nous le faut vivant. D'ailleurs, Brainiac a des questions. La ligue est en quoi? Ah si, il prend. Il sort... Ici, normalement, il prend les remorques, il a la tâche derrière. Alors, s'il prend pas les remorques, je comprenais pas le jeu, la logique. Hein. C'est... Les mecs, ils ont mis une attache derrière et. Dans le cœur fiscal de cette métropole, presque la route de ça. Putain, les nouveaux pneus là, franchement, ça fait le taf hein, sur les camions. Putain. Dans un cadre ils étudient jusqu'à l'exténuation ces génies. La ligue en statue, à l'argent souriant, dehors, les larmes dehors. Tout seul, enfin, les gaz d'attaque critique, coup de grappante, position des gars dans les airs, avec le bas de drone, dégâts avec le bas de drone augmente de 20%. Bien ça. Task Force X, dit à Gizmo de ramener sa fraise ici avec une échelle. Putain, j'ai le pote à moi qui se fait tatouer sur le, ouais, c'est sur le bras au niveau de VLC du poignet là. Et comme moi. Il m'a dit qu'il allait se faire. Hein? Comme moi. Ouais. Et là, il va se faire un tatouage de sternum. Ok, c'est bien. Enfin, entre les seins, quoi. Oui, merci. Et je lui dis, encore faut-il en avoir. Tu sais, parce qu'elle a une petite poitrine, tu vois, et il s'est foutu de sa gueule. Après, le mystère des couleurs. Voilà. Bah tu mets... Ah bah non, le caterpillar c'est des clumes courtes. Non, c'était clumes moyennes. Bah non, y'a pas besoin. On pourrait très bien affronter la lanterne si... Mais il faut qu'on suive le plan. Allez, sortez les bombes, on s'en va. Ici. Personne ne fait rien à propos de ce truc là-haut. Bah, le vaisseau spatial. Faire quoi exactement? Écoutez, on fait notre plan et la Justice League fait le sien. Ouais, vous avez raison. Exactement. Il m'a pas répondu, Ben. Bon, ça c'est zéro. J'ai une règle. Je donne pas de coup de pied dans le vent. Dedans, la ligue en statue à l'argent souriant. Dehors, des larmes d'or. Ah mais c'est pas bien tu fais, c'est cool. Comment je défonce? Oh, mais si, je suis super offensé, mon vieux.
Attends, je peux passer par là ou quoi? Ouais. Ce que je peux faire, c'est déposer la remorque là et puis aller avec un autre camion. J'en sais rien. C'est fiche trop. Parce que vu que c'est un tombereau, lui, ça va tourner de partout. Bien joué. Prenez ce qui vous revient. Je sais pas, je vais essayer. 41 de pistolet. Après, c'est un remorque à skull, c'est pas grave. Ah si, prends la marque. Ah bah nickel. Ah bah allez, c'est parti, let's go. Je tire tout. Ah oui, qui est arme de corps à corps. Okay. Oh, elle est stylée la batte de baseball là. Je vais relancer le jeu parce que là j'ai fait de la merde, j'ai bloqué l'arme. Attends, est-ce que c'est pas mieux d'aller chercher l'arme? Non, je vais aller chercher la remorque, la mettre là et puis prendre la sortir de. Ouais, non, parce qu'avec le Ramatsu, écoute, le Ramatsu, je pourrais jamais la sortir. Ouais, ça y est, il est déjà là. Putain, il est qui écoute, perd pas de temps. Hein. Ah, ouais, allez, vas-y, prends l'air un peu. Prends l'air, prenez le toge. Allo chat! Hey! C'est bon, on bidouille ta cervelle? Est-ce que je me ferais pas chier à prendre. Le Renault Kirax? On va vous trouver des armes de meilleure qualité. Ouais, vas-y, fais que je vais prendre. On a voulu s'entretuer.